Bonsoir, bonsoir. Non, s'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît, mesdames, un peu de silence. Silence! Bien. Et c'est là encore, mesdames, une superbe nouveauté, une toute nouvelle prouesse technoplastique signée Tupperware, la double boîte à savon. Alors, vous mettez votre savon dans la petite boîte rose, comme ceci. La petite boîte rose, vous la mettez dans la boîte bleue, ce qui vous permet de vous doucher sans mouiller votre savon. Tupperware! Ouh! Ça sert à rien, mais c'est tellement pratique. Non, madame Marfurt, non, on peut pas mettre la boîte bleue dans la boîte rose. C'est le petit garçon qui protège la petite fille avec amour. C'est la nature. Comment ça, pas partout? Quoi, mon fils? Mademoiselle Clarisse, vous allez faire des réflexions sur tout, comme ça? Oh, Seigneur, pourquoi? Pourquoi, mon fils? T'as pas eu assez d'ennuis avec le tien? Et je vous rappelle que nous avons cette quinzaine, la super promotion de l'ascenseur à cornichons. Alors, vous pouvez sortir votre cornichon du vinaigre sans vous salir les doigts. Un simple mouvement de va-et-vient. Et tout va bien. Oui, madame Marfurt, oui, ça marche aussi avec des concombres, oui. Mais des petits, vous voyez, genre cornichons. Ah oui, alors il est donc bien entendu qu'un ascenseur, ça se nettoie de temps en temps, n'est-ce pas, madame Lopez? Ah tiens, madame Lopez, je viens de recevoir un tout nouveau modèle. J'ai tout de suite pensé à vous, la boîte à grosses tourtes. Sans oublier, évidemment, les deux modèles qui se sont le mieux vendus le mois dernier. L'incontournable rouleau à pâte, toujours très utile si vous êtes marié. Et la célèbre pipette à jus, indispensable si vous ne l'êtes plus. Ah, tiens d'ailleurs à propos, madame Clotu. Oui, madame Clotu, j'ai reçu votre pièce de rechange. Oui, parce qu'elle s'est fait exploser la poire. Non, je dis vous l'aurez dès ce soir. Sans oublier, évidemment, notre bon vieux quick shaker pour la sauce à salade. Tchik, tchik, tchik. Oui, alors rappelez, hein, Charlotte, c'est un peu ton préféré, le quick shaker, hein, avec ton Parkinson. Oui, alors rappelez-vous juste qu'il faut vous souvenir de bien recouvrir avec le petit capuchon, hein. Non, parce que sinon, quand vous secouez, tchik, 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 vous allez recevoir toute la sauce. Et puis alors, parmi les tout nouveaux modèles, j'ai reçu un modèle absolument parfait pour les messieurs, pour les sportifs qui partent en pique-nique, le garde-banane de Tupperware. Pour protéger votre banane et qu'elle reste toujours bien au sec. Voilà, alors la mère de Vec, elle ferme son bec, hein. Et bien alors, parmi les tout nouveaux modèles que nous avons reçus, je vais vous montrer maintenant celui que je préfère, c'est mon préféré. C'est le moule à gâteau en silicone. Alors le moule à gâteau en silicone, comment vous expliquer? C'est un petit peu comme le PDC valaisan. Vous voyez, c'est un peu mou, ça ressemble à rien, mais si on le secoue un peu, c'est la métamorphose, vous allez voir. Yannick Butet, Christophe Darbenet. Non, madame Marfurt, non! Non, madame Marfurt, le bol merveilleux, il faut d'abord soulever la languette avant d'appuyer sur la rondelle. Vous voyez, comme mon fils, oui. Quoi, mademoiselle Clarisse? Non, c'est pas vrai. Jacqueline, tu m'avais promis de ne pas piper, moi. Mais quoi, je m'énerve. Mais non, je m'énerve pas! Allez, tout le monde dehors. Oui, toi aussi, Jacqueline, du balai. Écoutez, madame Projet, une autre fois, je suis désolée, j'ai pas le temps, là. Allez, loin. Oust! C'est pas vrai, mais est-ce qu'elles sont connes, nom de Dieu! Pardonnez-moi, Seigneur, parce que j'ai fourché. Je voulais dire nom d'une pipe. Hein? Oui, je sais bien que c'est pas beaucoup plus pieux, mais au moins on est à genoux. Dame, dame, si vous êtes une vraie dame, vous assistez à nos réunions. Reste, si vous avez des restes, je vous apporte ma solution. Avec mes Tupperware, tout est beau, tout s'éclaire. Je mets tout en conserve. Je suis toujours fidèle à ces jolis modèles des monstrateries en herbe. Tous nos produits
Parce qu'à chaque fois, voilà, on y est. Cette fois, c'est pas... C'est pas possible. Ah là là, Marie-Thérèse Porchet qui sera donc avec son spectacle La truie est en moi du 3 au 7 avril. Du côté de Genève, du 6 au 11 juin. Bonjour, Jean-Marc, ça va? À Neuchâtel, comment ça va, Marie-Thérèse? Écoutez, on s'accroche, tiens, je vais m'accrocher à ça. Oui, faites-le. Voilà, ça va ou quoi? Très bien. Oh, dis donc, j'ai plus l'âge pour faire tout ça. Mais non, 20 ans plus tard, vous êtes toujours aussi jeune. Vous trouvez? Oui. Faut pas regarder ce qu'il y a en dessous, vous savez. Oui, mais ça, je voudrais pas. On sait jamais. Ça va bien, alors? Bien. Je vous avais dit, il y a 4 marches, pas 5. Hein. Mais je sais, mais à chaque fois, c'est pas possible. Vous le faites exprès. Un peu, oui. C'est vous, quand je vous vois, c'est je flinche. Mm-hmm. Comment vous allez venir me voir, la truie, dans La truie est en moi? Oui, alors, donc, on vous a bien dit... la truie est en moi? Oui. Et oui, on sait par où elle est entrée. Oui. Alors, vous venez me voir? Ah, bien sûr. Et puis, je rappelle que donc, c'est à Genève du 3 au 7 avril. À partir du 3 avril, et puis voilà. Ensuite, toute une tournée, oui, je suis à Neuchâtel. Puis après, il y a le Beau-Sobre, et puis après, il y a aussi... Marie-Thérèse.ch. Voilà. Je suis branchée maintenant, vous savez. Marie-Thérèse.ch. Marie-Thérèse.ch, pas .com. Bah, si vous faites .com, vous allez trouver sur... sur il y a aussi des vieilles, mais qui font pas la même chose. Merci beaucoup. Merci, Marie-Thérèse. On va retrouver Marie-Thérèse tout à l'heure, avec c'est plaisir. Vrai oui. Il faut que j'aille m'éponger un peu. Restez encore quelques instants. J'ai la reine du Denis Fechenou. Marie-Thérèse, restez avec nous. Il y a de très beaux garçons qui viennent maintenant. Ah, bah, y avait quatre déjà frères à l'origine.